m'appelle Gérard Weber, je suis supporter du Racing depuis toujours et depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis 60 ans, je collectionne tout ce qui touche de près ou de loin au Racing. Le Racing, bah, c'est ma vie. Je pense Racing, je vis Racing et il n'y a pas une journée où je ne pense pas au Racing, où je ne parle pas du Racing. Le drapeau de 78-79, j'ai déjà essayé de le laver, il a déteint. Alors celui-là, je le garde. Ce Bob-là, il a une aventure, oui. Alors pratiquement tous, je les ai portés. Les bonnets, bon, pour aller au Racing, évidemment, pour aller au ski, j'avais pas honte, j'ai jamais eu honte du Racing. Ce Bob-là, je l'avais sur moi en Guadeloupe et il est tout déformé parce qu'en bateau, je l'ai perdu dans la mer. Et c'était la croix et la bannière pour le récupérer. Et il a séché sur ma tête, comme ça, quoi. Le maillot de Cassard qui revient au Racing. Donc, ça, c'était en 2007-2008. Donc, ça, c'est la photo de ce match-là. Force 4, époque Keller. C'était un match amical d'avant-saison. Et encore, le club avait marqué la date du match, hein, des maillots comme ça. Là, il n'y en a eu qu'un par match, là. Les classeurs des joueurs qui sont à ma gauche, là, je les trouve directement. Les anciens joueurs, je les trouve 9 sur 10 du premier coup. Tous les joueurs actuels, il y a un classeur par joueur. Lala, Liénard. Donc pour tous les joueurs, c'est le même système depuis 60 ans, depuis que je collectionne. Il y a le nom du joueur, sa date de naissance, son lieu de naissance, son poste, et après tous les matchs qu'il a joué avec le Racing. Si lui s'en rappelle pas, il a qu'à me téléphoner, je lui rappellerai.